Podcast. Oh, thank you. Thank you, Mr. Sherlock Holmes. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renault, Les enquêtes de Sherlock Holmes, réalisée par Abderis Isker, d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, deux enquêtes Le problème du pont de Thor et Le vampire du Sussex. Bonsoir, mes chers amis, c'est le docteur Watson qui vous parle. Ce soir, ce sont deux histoires bien différentes que je vais vous raconter. Pourtant, si je les rapproche l'une de l'autre, c'est qu'elles ont un point commun. L'héroïne de chacune d'elles était une femme d'Amérique du Sud, l'une euh, mexicaine et l'autre péruvienne, toutes deux poussées par un amour violent et exclusif. Et une fois de plus, en ces deux circonstances, j'admirais avec quelle virtuosité mon ami Charles Holmes réussit à faire triompher la vérité. La première de ces histoires, que j'appellerai le problème du pont de Thor, commence par une visite que Sherlock Holmes et moi reçûmes en 1897 dans notre appartement de Baker Street, celle d'un nommé Neil Gibson, propriétaire d'une des plus importantes mines d'or du monde. Une incalculable fortune et un tempérament brutal de businessman américain étaient sans contredit les deux premières caractéristiques du personnage. C'est une erreur judiciaire, monsieur Holmes. Je viens vous demander d'empêcher au plus vite. Si vous n'intervenez pas et avec la pleine mesure de votre talent, une femme innocente risque d'être pendue. Pour la sauver, je paierai ce qu'il faudra. Nous vous écoutons, monsieur Gibson. Peut-être avez-vous lu, messieurs, dans les journaux de mercredi dernier, dans quelles circonstances ma femme a été trouvée assassinée. Voici très exactement les faits. J'habite un grand domaine dans le Hampshire. Dans la nuit de lundi à mardi, j'ai découvert dans le parc, à 800 mètres du château, ma femme tuée d'une balle de revolver dans la tête. La nuit était chaude, je pensais qu'elle était allée faire un tour. Ne la voyant pas revenir et vaguement inquiet, je l'appelle, pas de réponse. Alors je pars à sa recherche et je trouve son cadavre à l'entrée d'un pont qui enjambe une petite rivière bordée de roseaux, le pont de Thor. Or, M. Holmes, depuis mardi, la police est incapable de trouver l'assassin. L'idée de suicide peut-elle être envisagée Mais Ma femme avait tout pour être heureuse, pourquoi se serait-elle suicidée En tout cas, si nous l'admettons, on aurait dû au moins trouver un revolver dans sa main ou auprès d'elle. Logiquement, oui. Par contre, je crois avoir lu quelque part qu'elle tenait entre ses doigts un billet sur lequel étaient tracés quelques mots. C'est exact. Qui avait-il écrit sur ce billet je serai à 9h au pont de Thor. Il y avait une signature Non, monsieur Holmes. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais tout d'abord préciser quelques points. Je vous en prie. Ma femme était brésilienne et elle m'aimait comme seuls peuvent aimer ce genre de femme avec une passion voisine de la sauvagerie. Moi-même, je l'ai beaucoup aimée. Mais je suis bien obligé de le reconnaître, l'âge ayant peu à peu altéré sa beauté, qui était exceptionnelle, je n'avais plus en face de moi qu'une femme lourde, sans grâce, devenue inquiète et jalouse. Cette jalousie était-elle justifiée Oh, à la vérité, elle prenait ombrage de tout. C'est ainsi que pour l'éducation de nos deux filles, nous avons engagé une institutrice et cette présence féminine auprès de nous, ben, disons auprès de moi, lui était insupportable. Vous en êtes sûr Elle ne le montrait pas, elle n'en a même jamais parlé, mais je savais à quoi m'en tenir. Elle avait une aversion totale pour Miss Grace Dunbar. Miss Dunbar, s'en est-elle aperçue Oui, dès son arrivée. Les femmes ont une intuition rarement en défaut. En somme, ces deux femmes se détestent. Oh, Miss Grace n'est capable que de nobles sentiments, monsieur Holmes. Mais quand je pense qu'aujourd'hui on l'accuse d'avoir tué ma femme, c'est ignoble et imbécile. Sur quoi s'appuie-t-on pour lui porter une telle accusation Quand ma femme a été tuée, elle tenait, je vous l'ai dit, un papier entre les doigts. Or, c'était Miss Grace Dunbar qui lui avait écrit ⁇ Je serai à 9h au pont de Thor ⁇ Son écriture était facilement reconnaissable et d'ailleurs, elle, elle ne l'a pas nié une seconde. À la rigueur, ce papier peut prouver qu'elle était avec votre femme à 9 heures au fond du parc. Mais cela ne prouve pas que c'est elle qui l'a tué. Hélas, M. Holmes, il y a un indice beaucoup plus grave. On a trouvé un revolver dans sa chambre, sur le plancher de son armoire, caché au milieu de ses robes. Ah. Et à cela, que répond-elle Qu'elle ne comprend pas la présence de ce revolver. Au début, j'ai été tellement bouleversé que je me suis demandé si elle ne mentait pas. Et puis, une explication possible m'est venue à l'esprit et je vous la donne pour ce qu'elle vaut. Poussée par la jalousie, ma femme a pu former le projet de la tuer, ou peut-être seulement de la menacer d'un revolver et lui faire peur pour l'obliger à quitter la maison. En état de légitime défense, Miss Grace a peut-être saisi le revolver et dans la lutte, le coup est parti et ma femme a été tuée. Mmh. Oui, c'est une version plausible. Mais devant le cadavre, la jeune fille s'est affolée. Elle est rentrée en courant au château et une fois dans sa chambre, elle a jeté le revolver au milieu de ses robes. Et que répond-elle à cela elle nie tout en bloc. Et maintenant que j'ai retrouvé mon sang-froid, je, je suis sûr qu'elle ne ment pas. Bien. Maintenant, Monsieur Gibson, je vais vous demander de me répondre avec la plus grande sincérité. Je vous écoute. Quelle était exactement la nature de vos relations avec cette jeune fille Mais celle d'un employeur vis-à-vis -vis de son employé. Je... Je ne lui ai jamais parlé en dehors de la présence de mes enfants. Monsieur Gibson, si vous voulez que je m'occupe de cette affaire, il faut me dire toute la vérité. Mais je vous l'ai dit Alors brisons-la. Je n'ai ni le goût ni le loisir des conversations inutiles. Ah, ça, mais. Croyez-moi, cette affaire est suffisamment complexe pour ne pas y ajouter de propos délibérés une donnée inexacte. Mais traitez-moi de menteur Puisque vous m'en priez. Excusez-moi, et... monsieur Gibson. Je suis médecin et j'aime à croire que si vous veniez me consulter au sujet de votre santé, vous répondriez sincèrement à toutes mes questions. Oui, naturellement. Bon, alors dites-vous bien que dans sa spécialité, M. Holmes est une sorte de médecin et puisque euh, vous êtes venu le consulter, donnez-lui en toute confiance les éléments qui lui permettront de voir clair. Oui. Vous avez raison, docteur. Excusez-moi, M. Holmes. Et... Je ne tarderai pas davantage à vous avouer qu'effectivement, je n'ai pas pu vivre sous le même toit que Miss Grace sans éprouver pour elle un amour très profond. Depuis mon plus jeune âge, je crois n'avoir jamais eu qu'à allonger le bras pour obtenir tout ce que je voulais. Or, je n'ai jamais rien désiré avec autant de violence que l'amour et la possession de cette jeune fille. Je le lui dis. Vraiment? Je lui dis que si je pouvais l'épouser, je le ferais avec joie, mais qu'elle a, étant mariée. Et vous lui avez demandé de devenir votre maîtresse. Oui. J'ai mis ma fortune à ses pieds. Qu'a-t-elle répondu Elle a voulu quitter immédiatement la maison. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait D'abord parce que son salaire aidait sa famille à vivre, et puis j'ai tenu la promesse que je lui avais faite de ne plus jamais lui reparler de mon amour. Enfin, elle avait une excellente influence sur moi, et elle se rendait compte mes affaires sont encore beaucoup plus importantes qu'on le croit généralement messieurs et elles représentent pour moi un jeu un, un jeu dur où toujours le faible succombe je ne m'étais jamais soucié des gémissements des autres et miss dunbar n'admettait pas qu'une fortune fût édifiée sur la ruine de centaines de milliers de gens elle s'est aperçue que peu à peu je l'écoutais et en fin de compte il m'est arrivé de faire quelque bien c'est grâce à son influence voilà pourquoi elle est restée au château et pourquoi j'ai un grand respect pour elle je vous supplie de la sauver, monsieur Holmes, car elle est innocente. Où est actuellement miss Dunbar? Enfermée à la prison de Winchester. Eh bien, je vais immédiatement demander à laisser passer afin de pouvoir l'interroger moi-même. Pendant le délai nécessaire aux formalités administratives, nous gagnâmes par le train la propriété de M. Gibson, qui nous laissa seul avec l'adjudant Coventry de la police locale. C'est lui qui avait instruit l'affaire depuis le début, et au lieu de prendre ombrage de l'intervention de Sherlock Holmes, il s'en réjouit. Votre aide me sera précieuse, Monsieur Holmes. Et franchement, franchement, je préfère vous avoir à vous plutôt que Scotland Yard. Maintenant, je, je voudrais vous poser une question. Allez-y. Ne croyez-vous pas qu'un dossier à charge devrait être ouvert contre M. Gibson lui-même J'y ai pensé. Car c'est lui qui a découvert le cadavre. Et à ce moment-là, il était seul il a pu tuer sa femme et donner l'alarme ensuite. eh oui, qu'il ait voulu se débarrasser d'elle pour épouser miss dunbar est très vraisemblable, car vous la verrez, monsieur holmes. c'est une fille merveilleuse. mais dans ce cas, pourquoi ce revolver caché dans son armoire? c'est ce que je n'arrive pas à m'expliquer. j'y vois bien une raison, moi. laquelle? gibson ne pouvant rien obtenir de miss dunbar, son amour devient de la haine. Il veut se venger d'elle. Et c'est lui qui jette le revolver dans l'armoire pour qu'elle soit accusée. Eh bien, alors pourquoi vous aurait-il demandé de la sauver? Un remords de la dernière heure? Ou... suprême habileté? Eh, possible. En tout cas, c'est avec un revolver lui appartenant que sa femme a été tuée. Si vous admettez que le revolver trouvé dans l'armoire soit l'arme du crime. Aïe. Ah oui. Oui, et à ce propos, monsieur Holmes, il y a un fait assez troublant. Quoi donc Cette arme a été extraite d'un écrin contenant deux revolvers jumeaux. Or, l'autre a disparu. Ah Qu'en pense Gibson ben, Il en paraît le premier surpris. Ce second revolver est introuvable, et personne au château ne peut l'expliquer. Tiens, tiens Très intéressant. Allons maintenant, si vous le voulez bien, sur les lieux du crime. Oui. Le pont de Thor comprenait une seule arche. C'était une, une sorte de chaussée en ciment qui enjambait la rivière, avec une simple barre de fer de chaque côté tenant lieu de garde-fou. À l'entrée du pont, un dessin à la craie rappelait la position exacte du cadavre. J'ai lu dans la presse que le coup de feu avait été tiré de très près. Oui, juste derrière la tente droite. Dites-moi, est-ce vous-même qui avez pris le billet dans la main de Mme Gibson Oui, M. Holmes. Une chose m'étonne elle avait certainement reçu ce billet au château dans la soirée, peut-être même avant le dîner. N'ayant aucunement besoin de s'y référer, pourquoi l'avoir emporté, tenu si bien serré dans sa main Ah. Euh, la réflexion, en effet. Bizarre. Sherlock Holmes sortit alors une grosse loupe de sa poche, se pencha et examina le ciment. Soudain, à deux mètres environ du corps, il se jeta à plat ventre et regarda avec une extrême attention la bordure et l'épaisseur même du pont. Voyez, messieurs, voyez ces éraflures toutes fraîches. On dirait que que quelque chose de dur a glissé ici en direction de l'eau. Oui. Oui, vous avez raison. Mais quoi Ça, je l'ignore autant que vous. Peut-être la conversation que je vais avoir avec Miss Dunbar m'éclairera-t-elle sur ce point comme sur quelques autres qui demeurent obscurs. Dans tout cela, je ne vois qu'une seule chose qui lui soit favorable. Ah oui Laquelle La découverte du revolver. Dans son armoire. Mais à mon avis, c'est ce qu'il accuse de plus. Allons donc, Watson, supposez que vous soyez cette femme. Vous avez muré votre plan et écrit le billet, la victime est venue et vous l'avez tuée. Et vous éprouveriez le besoin de rapporter l'arme encore chaude dans votre chambre et de la cacher dans votre armoire à glace Ce meuble qui sera le premier à être fouillé par la police Dans l'affolement. Mais non, mais non. Quand un crime a été froidement prémédité, les camouflages le sont également, croyez-moi. Le lendemain matin nous étions introduits dans la cellule de Miss Dunbar. Je m'attendais à voir une jolie femme. Jamais je n'oublierai l'effet qu'elle produisit sur moi. Elle était brune, grande, élancée. Il y avait dans son maintien une dignité et dans ses magnifiques yeux noirs une pureté qui disait assez la noblesse de son caractère. Quelles étaient exactement, mademoiselle, vos relations avec Madame Gibson? Elle me détestait. Elle aimait son mari avec une telle intensité physique qu'elle ne pouvait pas comprendre le lien spirituel qu'il attachait à moi. Je savais que j'exerçais sur lui une bonne influence. C'est uniquement pour cela que je restais sous son toit. Le jour du drame, que s'est-il passé exactement Le matin même, j'avais trouvé sur ma table de la salle d'études un billet de Mme Gibson qui me suppliait de la rencontrer après le dîner sur le pont de Thor. Elle me priait de lui laisser ma réponse sous le cadran solaire du parc, désirant que notre entretien fût secret. Elle me demandait également de détruire sa lettre, ce que je fis, car elle avait très peur de son mari qui la traitait avec une rudesse que je lui ai souvent reprochée. Par contre, elle avait soigneusement conservé votre réponse. Oui. J'ai été surprise d'apprendre qu'elle la tenait dans sa main quand elle mourut. Alors, que se passa t-il? À neuf heures, j'allais au rendez-vous. Et là, je pus mesurer le degré de haine que me vouait cette pauvre femme. Elle était comme folle, et ce fut horrible. Elle m'accabla d'injures et déversa sur moi un torrent de mots si ignobles que je me bouchai les oreilles et m'enfuis. Quand vous l'avez quittée, où se trouvait-elle exactement À l'entrée du pont, là où l'on a découvert son cadavre. Avez-vous entendu un coup de feu Non, je vous ai dit que je me bouchais les oreilles. Vous êtes retourné dans votre chambre? Oui. L'avez-vous quitté avant le lendemain matin? Quand l'alarme a été donnée, j'ai couru avec les autres. Monsieur Gibson paraissait-il ému? Non. C'est un homme fort, très maître de lui. Mais moi qui le connais bien, j'ai vu qu'il était profondément touché. Que pensez-vous du revolver trouvé dans votre armoire? C'est incompréhensible. À votre avis? Depuis combien de temps avait-il été placé là La veille au matin, il n'y était pas. Comment le savez-vous J'avais nettoyé mon armoire à fond. Par ailleurs, j'ai relevé des éraflures toutes fraîches sur la maçonnerie du pont, à deux mètres environ du corps. Y voyez-vous une explication Mon Dieu, non. Une coïncidence, peut-être mmh. euh, Je n'y crois guère. Pourquoi justement ces traces faites au moment du drame Et pourquoi précisément à cet endroit Le visage aigu et pâle de Sherlock Holmes avait brusquement pris cette expression tendue que je lui connaissais bien quand il était visité par une sorte, de, je ne crains pas de le dire, d'inspiration supérieure. Il gardait le silence, puis, soudain, il se leva, salua à peine Miss Denbar et il m'entraîna au dehors. Il entra dans un bazar, acheta quelques mètres de ficelle et n'ouvrit plus la bouche jusqu'à ce que nous soyons revenus au pont de Thor. Là, il déplia la ficelle, en attacha une des extrémités à son revolver et l'autre à une très lourde pierre qu'il posa sur le bord du pont. Et la poussant du pied, il la fit basculer dans le vide. Mais elle ne tomba pas très bas, car elle était retenue par la ficelle que Sherlock Holmes maintenait très courte et tendue, tout en s'éloignant de quelques mètres jusqu'à l'endroit où était morte Madame Gibson. Là, il éleva son revolver à la hauteur de sa tempe, comme elle avait dû le faire. Puis il s'écroula en lâchant son arme. En une seconde, le revolver fut entraîné par la ficelle et le poids de la pierre, et le tout tomba dans l'eau s'enfonça et disparut. N'est-ce pas là une démonstration concluante Venez voir. Regardez sur le bord du pont. Mon revolver et ma ficelle ont fait des éraflures exactement semblables à celles de l'autre soir. Voilà mon cher comment Mme Gibson a camouflé son suicide en assassinat dans le but diabolique de faire pendre Miss Grace Dunbar. Cette fois encore, Sherlock Holmes avait vu juste. Il sonda lui-même la rivière et au même endroit, il retrouva son revolver et celui de M. Gibson attaché avec une ficelle à une grosse pierre. Ainsi s'achève le problème du pont de Thor et avant de commencer la seconde histoire que je vous ai promise, je vous demande une petite grâce. Permettez-moi d'allumer ma pipe. Voilà. Merci. <laughs> Ma deuxième histoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a également pour héroïne une femme d'Amérique du Sud, et le problème posé fut un des plus étranges que Sherlock Holmes eut jamais à résoudre. Ce matin-là, de 1897, nous étions en train de prendre notre petit déjeuner et nous entendions une fois de plus, sans l'écouter naturellement, la rengaine que moulait sur son orgue de barbarie notre vieil ami, le mendiant John. Watson, où se trouve le sucre, s'il vous plaît Je ne sais pas. Je... Soudain, on sonna à notre porte. <tousse> Ce doit être le courrier. J'y vais. Il n'y a qu'une lettre pour moi, vous permettez Je vous en prie. Tiens, tiens. Bizarre. Bien qu'elle me soit adressée, mon cher Holmes, cette lettre vous concerne. Ah oui, en quoi Écoutez, mon cher Watson, peut-être vous souvenez-vous qu'autrefois nous avons joué ensemble au rugby dans l'équipe de Blackheath. Vous sachant l'ami intime de M. Sherlock Holmes, voudriez-vous lui demander s'il consentirait à me recevoir de toute urgence? Un, je vis actuellement un drame qui exige une solution immédiate. La vie de mon enfant en dépend. Il est âgé d'un an et victime d'une personne qui m'est particulièrement chère. Au sujet de cette personne, le mot de vampire a été prononcé. C'est vous dire que mon désarroi est total. Télégraphiez-moi à l'adresse ci-dessous. D'avance, je vous suis reconnaissant à tous deux de ce que vous pourrez faire pour moi en cette lamentable circonstance. Robert Ferguson. Eh. Hein <laughs> Qu Que pensez-vous de cette lettre Curieux. Voyons, si mes souvenirs sont exacts, on distingue trois sortes de vampires. Les cadavres qui sortent la nuit de leur tombeau. Pour sucer le sang des vivants, mais cela c'est de la légende. Les monstres qui sucent le sang des enfants pour conserver leur jeunesse, et dans le domaine de la phonie, tout est possible. Enfin, ces espèces de chauves-souris qui se nourrissent du sang d'animaux ou d'enfants endormis. Ce doit être le cas de votre ami, quoi qu'il en pense. Oui, je ne me vois guère partant à la chasse aux chauves-souris. Mais avant de refuser, télégraphiez-lui donc de venir. Où habite-t-il Dans le Sussex. Bon, il est à. Peine 9h s'il a un bon train, il peut être ici au début de l'après-midi. Alors bondissez à la poste. Une affaire de vampire manquait à ma collection. Je serais curieux de savoir ce dont il s'agit. Vers 2h30, on sonnait à notre porte et Sherlock Holmes introduisit Robert Ferguson que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années. J'avais gardé de lui le souvenir d'un athlète long et mince, tout en muscles et doué d'une étonnante puissance de vitesse qui lui permettait de crocheter facilement l'arrière du camp adverse. Mais maintenant, c'était un homme voûté, aux cheveux rares, et il y avait dans son regard une tristesse voisine du désespoir. « J'ai bien changé, n'est-ce pas, mon pauvre Watson C'est que ces derniers jours m'ont vieilli dix ans. Monsieur Holmes, je vous remercie d'avoir répondu si vite à mon appel. » Asseyez-vous, cher monsieur, et contez-nous votre histoire. Eh bien, voici. J'habite Lamberley, dans le Sussex, une maison appelée Chiseman, du nom de celui qui l'a construite. Elle date de 1553 et elle est entourée d'un grand domaine de prairies et de bois. Je vis là avec le fils que j'ai eu d'un premier mariage, mon petit Jacques, qui a aujourd'hui 15 ans. À la suite d'une chute, il a eu la colonne vertébrale déviée et il ne peut plus marcher qu'avec deux cannes. C'est un être doux, sensible. Il adorait sa maman qui est morte quand il avait huit ans et cet amour d'enfant, il l'a reporté intégralement sur moi. Il est très intelligent, je m'occupe moi-même de ses études et nous nous entendons tous les deux à merveille. De même, je fais jusqu'à maintenant excellent ménage avec ma seconde femme, Dolores, que j'ai connue il y a quatre ans au cours d'un voyage d'affaires au Pérou. Elle est péruvienne Oui. Au risque de paraître un peu ridicule, je dois dire que depuis le premier jour, elle n'a cessé de me témoigner un amour profond, violent. Je dirais presque un peu sauvage. Euh, tout à fait dans la nature des femmes de là-bas. Et vos sentiments vis-à-vis d'elle Je l'ai beaucoup aimée. Mais peu à peu, la différence de sang, de religion, de coutume ont créé des divergences entre nous. Oh, sans gravité. Mais mon amour s'est un peu attiédi, je le reconnais. Et il fut même un moment où je me suis demandé si, en fin de compte, ce mariage n'était pas une erreur. S'en est-elle aperçue oh, Je n'en ai jamais rien laissé paraître elle aurait eu trop de chagrin. D'autant plus qu'il y a un an, elle m'a donné un fils. Un fils qu'elle adorait. Il est mort? Non, c'est un enfant superbe. Mais vous dites qu'elle l'adorait. Elle ne l'aime plus. Hélas, Monsieur Holmes, qui pourra jamais comprendre ces femmes issues de race indienne? Ici, j'arrive au point le plus pénible de mort ici. Figurez-vous qu'un jour, alors que d'habitude, elle était si douce et si affectueuse. La nurse, la surprise en train de rouer de coups mon fils aîné, qui ne l'avait provoqué en rien. Elle lui donnait des coups de canne avec une telle violence qu'il en garde encore une faiblesse au bras. Quand je l'ai interrogée sur une telle lâcheté, vous pensez à un enfant infirme. Elle ne m'a donné aucune raison. Elle pleurait en silence, c'est tout. Nous n'avons plus jamais parlé de cet incident, mais voilà qu'hier. La nurse vient me voir en cachette. Monsieur, excusez-moi. Mais je n'en peux plus. Qu'y a-t-il donc Il y a, un monsieur, que votre bébé court un affreux danger. Patrick Oui. Je ne peux plus me taire, il faut que vous sachiez tout. Mais alors parlez Eh bien, il y a un mois environ, j'avais laissé notre petit Patrick seul pendant quelques minutes dans sa chambre. Tout à coup, je l'entends pousser un cri, un cri de douleur. J'accours et qu'est-ce que je vois Madame penchée au-dessus de l'enfant. Elle était en train de lui mordre le cou. Qu'est-ce que vous dites Parfaitement, monsieur. La blessure était nettement visible et le sang coulait. J'ai tout de suite voulu vous appeler, mais madame m'a tellement supplié de me taire que je ne vous ai rien dit. Je lui ai demandé pourquoi elle avait fait une chose pareille. Elle était dans l'incapacité de me répondre. Depuis, vous le pensez, je n'ai cessé de la surveiller et de monter la garde auprès du petit. Et chaque fois que je m'en éloigne, madame survient. On dirait qu'elle le guette comme un loup guette sa proie. C'est affreux, monsieur. J'ai peur. J'ai déjà eu l'impression, madame Mason, que vous détestiez ma femme. Mais au point d'inventer une histoire pareille, dès ce soir, vous quitterez la maison. Mais monsieur, je vous jure que je dis la vérité. Vous êtes folle Estimez-vous bien heureuse si je ne vous... Écoutez Mon Dieu, c'est le même cri que l'autre jour. Vite, monsieur, venez, vite. Ce n'est pas moi. Tu oses mentir Mais tu as encore du sang autour des lèvres Tu buvais son sang Oui, mais il ne peut pas te dire. Il ne peut pas t'expliquer. Que vouliez-vous qu'elle m'explique, monsieur Holmes Depuis hier, je suis comme fou. Le vampirisme, moi, je, je croyais que c'était les histoires de, de sauvages, des légendes, de la sorcellerie. Mais ici, en Angleterre, au cœur du Sussex... Que me conseillez-vous Je suis si désorienté. Quelle est actuellement l'attitude de votre femme Quand je lui ai fait les reproches que vous pouvez imaginer, elle n'a rien dit. Elle m'a regardé seulement avec une espèce de désespoir. Je la crois d'autant plus déchirée de m'avoir vu découvrir cet horrible secret qu'elle a toujours pour moi le même amour profond. Oh, cela, je le sais. Visiblement, elle souffre de ma propre douleur. Puis hier, elle demeure enfermée dans sa chambre. Seule Oui. Elle refuse de me voir et n'accepte auprès d'elle que Katharina, la femme de chambre, qui la servait quand elle était jeune fille. Mais l'enfant La nurse m'a juré qu'elle ne le quitterait ni le jour ni la nuit. Je suis moins tranquille pour son grand frère, Jacques. A-t-elle déjà tenté de lui faire une blessure semblable Non, jamais. Elle s'est bornée à le frapper, sauvagement, une fois, comme je vous l'ai dit, ce qui est déjà monstrueux. C'était à quelle époque Il y a un mois également. Dans le même état de crise C'est probable. Mais a-t-elle expliqué pourquoi elle le frappait Elle m'a simplement dit qu'elle le détestait. Mmh. Réaction assez fréquente chez une belle mère. Elle est d'un naturel jaloux Oui, très exclusive. Mais lui, quelle explication vous a-t-il donné bon, Il a été aussi surpris que moi. Mais en temps ordinaire, étaient-ils bons amis Non. Entre eux, il n'y a jamais eu la moindre tendresse. Pourtant, il est affectueux, m'avez-vous dit. Bien trop sensible même. Il reste fidèle au souvenir de sa maman. Enfin, qui le lui reprocherait Et c'est sur vous qu'il a reporté toute sa puissance affective. Oui. Hmm. Nous sommes deux grands amis. Eh bien, monsieur Ferguson, je ne crois pas inutile d'aller au plus vite à Lamberley. À quelle heure y a-t-il un train À 4h30. Nous avons le temps de l'attraper. Alors en route. Naturellement, Watson, vous venez avec nous. Volontiers. Deux heures plus tard, après avoir suivi en voiture un interminable chemin en zigzag, nous arrivons à une ancienne ferme isolée dans la campagne. C'était là qu'habitait Ferguson. Les plafonds étaient chevronnés de lourdes poutres. Et tout dans la maison donnait une impression de vieillesse et de délabrement. Le mobilier de la grande salle du bas présentait un curieux mélange d'époque et de continent. Grand amateur de pittoresque, Sherlock Holmes admira sur les murs une belle collection d'armes d'Amérique du Sud qu'avait sans doute apportée de son pays la maîtresse de maison. Oh, mais vous avez un bel épagnol. C'est mon vieil ami Drum. Oui, vous êtes un beau chien. Il est blessé Non, mais il a une sorte de paralysie. Le vétérinaire appelle cela une myéloméningite. Mais il va beaucoup mieux, et il paraît qu'il en guérira. N'est-ce pas Drum euh, Dites-moi, ça lui a pris tout d'un coup Oui, une nuit. Il y a longtemps Quatre mois environ. Ah, très intéressant. Très intéressant, pourquoi J'y vois une confirmation de mes pronostics. Vous êtes déjà en mesure de faire des pronostics, monsieur Holmes Oui, mais il est trop tôt pour m'en parler. Oh, je vous en prie, ne jouez pas avec mes nerfs. De toute façon, mon pauvre monsieur Ferguson, je crains que vous n'ayez à souffrir. À souffrir Oui, quelle que soit la solution. Au moment de quitter cette maison, je pense pouvoir être tout à fait précis. Oh, que Dieu vous entende. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs, je vais monter dans la chambre de ma femme, voir dans quelle disposition elle se trouve. Il revint quelques minutes après pour nous dire que Katarina, la servante péruvienne, l'avait empêchée d'entrer dans la chambre car sa maîtresse ne voulait pas le voir. Elle était malade et délirée. Sur la prière de Fergusson, je montai à mon tour jusqu'à la chambre et Katharina me laissa passer. Sur le lit était étendue une femme très belle, dont les yeux brillaient de fièvre. Quand elle m'aperçut, elle se dressa puis retomba en soupirant. Bien que sa température fût élevée et son pouls rapide, j'eus l'impression que son état était dû plutôt à une excitation mentale qu'à une maladie véritable. Je lui dis doucement que son mari souhaitait la voir. Non, non, qu'il s'en aille. Il ne va pas. Oh, un démon. Que faire avec un démon En quoi puis-je vous être utile Personne ne peut m'aider. C'est fini. Tout est anéanti. Vous savez combien votre mari vous aime, il souffre tant de ce qui vous est arrivé. Plutôt que de lui faire de la peine, moi, je lui prouve que je l'aime jusqu'au sacrifice. Et pourtant, il a pu penser de moi cette chose horrible. Il a pu me parler avec cette douleté. Je vais le chercher. Non Non. non je ne peux pas oublier ces mots. Son regard Partez. Vous ne pouvez rien pour moi. Dites-lui seulement que je veux mon enfant. Il est droit à mon enfant. Quand j'eus rapporté ces paroles à Ferguson, il secoua tristement la tête. Comment pourrais-je lui confier cet enfant quand je l'ai vu pencher sur le berceau avec du sang autour des lèvres Le petit est en sécurité avec Madame Mason. Il y restera. À ce moment, la porte s'ouvrit et un jeune garçon pénétra dans la pièce. C'était Jackie, le fils aîné de M. Ferguson. Pâle et blond, il avait les yeux bleus, qui brillèrent de joie et d'émotion quand ils se posèrent sur son père. Il alla vers lui aussi vite que lui permettaient ses deux cannes, et il s'assit sur ses genoux passant ses bras autour de son cou avec une infinie tendresse. Je ne savais pas que tu étais rentré, papa. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé Je m'ennuyais tellement de toi. J'étais avec mes amis, mon chéri. Le docteur Watson, Monsieur M. Sherlock Holmes. Le détective, c'est vous, monsieur Oui, Jackie, ravi de vous connaître. Et le bébé, Monsieur Ferguson, pourrions-nous le voir Mais certainement. Jackie, mon chéri, va demander à Mme Mason de le descendre. Oui, papa Cinq minutes plus tard, Jackie revenait suivi de la nurse et du bébé. Il alla se placer derrière Sherlock Holmes, qui avait pris son petit frère sur ses genoux et examinait le cou où une marque rouge était encore apparente. Soudain, je vis se durcir le visage de mon ami. On lui dit :« Sculpté dans du vieil ivoire. » Et ses yeux fixaient un point dans le miroir qui était pendu au mur en face de lui. Il rendit enfin le bébé à la nurse qui sortit. Cet enfant est superbe, mes compliments, Monsieur Ferguson. Et vous, Jackie, vous êtes fier, hein, d'avoir un aussi beau petit frère Le jeune garçon sourit tristement prit ses cannes et sortit. J'étais un, un peu gêné de la maladresse de mon ami. Parle-t-on à un petit estropié de la beauté d'un autre enfant Sherlock Holmes sortit à son tour et quand il revint des minutes après, il griffonna quelques lignes sur une feuille de papier qu'il me tendit. Auriez-vous l'obligeance, Watson, de monter ce billet à Madame Ferguson je pense qu'après l'avoir lu, elle voudra bien nous recevoir ainsi que son mari. Je montai dans la chambre et le visage de la malade s'emplit autant de surprise que de joie à la lecture des lignes tracées par mon ami. Et sur son assentiment, je criai aux deux hommes de venir. Quand Fergusson entra, sa femme détourna la tête. Ferguson, la chirurgie la plus rapide et la moins douloureuse, aussi vais-je être très direct. Je tiens d'abord à vous dire une chose qui vous consolera. Madame Ferguson est une femme profondément bonne. Elle n'a rien à se reprocher. Et à votre insu, vous avez commis envers elle une grande injustice. Prouvez-le-moi, M. Holmes, mon bonheur sera total. Je vais vous le prouver, mais la démonstration vous fera cruellement souffrir. En quoi Vous avez vu votre femme se relever du berceau avec du sang sur les lèvres. N'avez-vous jamais pensé qu'une blessure pouvait être sucée dans un autre but que pour en aspirer le sang dans l'histoire d'Angleterre, une reine n'a-t-elle pas sucé une blessure de ce genre pour en retirer le poison Le poison Oui. Vous avez dans la grande salle en bas des panoplies d'armes, et ces armes viennent d'Amérique du Sud. Entre autres, il y a un petit arc pour tuer les oiseaux, et j'ai vu à côté, dans le carquois, de courtes flèches visiblement enduites de poison. Ayant toujours été sceptique sur l'action d'un vampire, j'ai immédiatement pensé que si le bébé avait été piqué par l'une de ces flèches, la mort serait survenue rapidement, à moins que le poison n'eût été aspiré sur le champ. Et puis, il y avait le chien. Si quelqu'un avait eu l'intention d'utiliser ce poison, ne l'aurait-il pas essayé d'abord pour être sûr qu'il n'avait rien perdu de sa force Et sans aucun doute, le chien avait servi d'expérience. Mais à qui Or, un jour, le meurtrier a tiré. Heureusement, votre femme est survenue au moment où le bébé venait d'être atteint par la flèche. De ses lèvres, elle a aspiré le poison. C'est à cet instant même que la nurse l'a surprise. Un mois plus tard, l'enfant était atteint d'une autre flèche et c'est vous, M. Ferguson, qui cette fois avez vu votre femme avec du sang sur les lèvres. En fait, elle ne craignait pas d'aspirer du poison pour sauver la vie de son enfant. Mais alors l'assassin, elle le connaissait. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait arrêter Elle s'est résignée à être accusée injustement, monsieur Ferguson, plutôt que de dénoncer votre fils aîné. Jackie Oui. Pendant que j'avais le bébé sur les genoux, j'ai tout compris en voyant dans la glace qui était en face de moi le regard de votre fils pour son petit frère. J'y ai lu une haine d'une implacable cruauté. Celle d'un infirme qui craignait d'être supplanté un jour dans le cœur de son père. Vous vous trompez. Je connais qui Il est incapable d'une telle action. Tout à l'heure, monsieur Ferguson, il me l'a avoué lui-même. Ainsi se termine, mes chers amis, cette seconde histoire qui eut pour victime une péruvienne capable du plus héroïque des sacrifices. Dans les recueils que j'ai écrits sur les enquêtes de mon ami Sherlock Holmes, vous la trouverez sous le titre le vampire du Sussex. Bonsoir et à la semaine prochaine. Dans la série Les enquêtes de Sherlock Holmes, vous venez d'entendre le problème du pont de Thor et Le vampire du Sussex d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. C'est une production de Maurice Renault. brise de son Jean Pantaloni assisté de Jacques Capez, bruitage Henri Saint-Georges assistant Jacques Béraud, réalisation Risquet. Avec Maurice Tenac, Sherlock Holmes, Pierre Mondy, Dr. Watson. Et dans le problème du pont de Thor, Serge Sauvion, Françoise Spira et Georges Hubert. Dans Le Vampire du Sussex, Gilbert Gilles, Christiane Regnault, Didier Boël et Claire Morier.